Résoudre l'inéquation suivante. 2 moins 5z sur 3 inférieur ou égal à moins 2. On va multiplier les deux membres de l'inégalité ou de l'inéquation par 3. Comme on multiplie les deux membres par un nombre positif, le sens reste 2 moins 5z sur 3 fois 3 inférieur ou égal à moins 2 fois 3. Ici, ce calcul, ça nous fait 2 moins 5z inférieur ou égal moins 2 fois 3, moins 6. Je laisse moins 5z dans le premier membre, moins 5z inférieur ou égal moins 6 moins 2. Je passe 2 dans l'autre membre, signe changé. Moins 5z inférieur ou égal à moins 8. Je divise les deux membres par moins 5. En divisant les deux membres par nombre négatif, le sens change. Moins 5z divisé par moins 5, ça nous fait z. Moins 8 divisé par moins 5, ça fait 8 sur 5. Pour ceux qui aiment le décimal, z supérieur ou égal à 1,6. On va résoudre l'inéquation y moins 3 sur 4 inférieur à 2 moins 7y sur 3. Il y a plusieurs méthodes. Une méthode qui vous propose, c'est multiplier les deux membres par 4 fois 3, c'est-à-dire 12. Autrement dit, le produit de deux dénominateurs. Y moins 3 sur 4 fois 12 inférieur, ça reste inférieur parce que on multiplie par nombre positif, 2 moins 7y sur 3 fois 12. Évidemment, ici, on simplifie par 4. Il reste y moins 3 fois 3 inférieur à 2 moins 7y fois 4. On constate qu'on aurait pu, d'une autre méthode, multiplier ça fois ça inférieur à ça fois ça. On développe. 3y moins 9 inférieur à 8 moins 7 fois 4, 28y. On passe les termes en y premier membre, 3y qui reste, moins 28y devient plus 28y, inférieur 8 plus 9. 3 plus 28, ça fait 31y, 8 plus 9, 17. Y inférieur à 17 plus sur 31. On a divisé les deux membres par 31.